Il est vraiment important qu'une juridiction indépendante et internationale, bien qu'espagnole, bien sûr, internationale parce qu'il s'agit de juger au-delà des frontières et déclarer qu'il y avait lieu de s'enquérir de manière sérieuse sur les conditions dans lesquelles sont réprimés les gens qui sont réfugiés, car c'est de cela qu'il s'agit, à Ashraf. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les 3 000 Iraniens qui s'y trouvent bénéficient du statut de réfugiés tel que défini par la Convention de Genève et qui leur est reconnu expressément par l'Organisation nationale des Nations unies. Et malgré ça, on les harcèle, on les menace, quelquefois on les frappe si on ne les tue pas. Donc c'est essentiel qu'enfin, enfin, les justices d'ailleurs, puisqu'il ne faut pas malheureusement compter sur la justice irakienne en l'état, puisque c'est celle-là qu'il s'agit justement de dénoncer, les justices d'ailleurs viennent dire cela nous concerne tous. Et le point essentiel, effectivement, c'est que l'on considère qu'un crime commis où qu'il soit, dès lors qu'il peut s'apparenter à un crime contre l'humanité, nous concerne tous et que nous avons tous à veiller à ce qu'il soit réprimé. Voilà pourquoi c'est un premier pas. C'est un premier pas seulement. Il s'agit de citer un général sans aucun doute responsable de graves malversations, de graves manquements. Mais ce premier pas peut peut-être alerter. Alerter ceux-là qui s'en rendent coupables, qu'ils sachent que l'impunité n'existe pas toujours, et réconforter ceux qui souffrent en sachant qu'ils ne sont pas totalement, totalement abandonnés par les autres. Et les autres, c'est nous. Donc, à nous d'agir. Bravo pour cet avocat espagnol qui a obtenu ce premier résultat. À nous d'être à ses côtés pour essayer d'agir où que nous soyons pour la défense des droits de ceux-là qui, à Ashraf, souffrent. Souffrent pour eux-mêmes, souffrent pour leur pays, et ce pays qui est notre pays ami et que nous aimerions voir revenir au sein de la communauté des pays démocratiques.